life. And I remember myself being at the Cinémathèque when it reopened, and one of the very first films to be screened there was Truffaut's film Stolen Kisses, or Baiser Volé. Truffaut was there, Jean-Pierre Léaud, the star was there, Langlois was there, they were all on stage together, the lights dimmed, the film began, and the very first image of the film is the dedication to Henri Langlois. Ce soir, le vent qui frappe à ma porte. Truffaut dedicated the film to him, and the shot of the gates of the Cinémathèque with the padlocks, which the government had put on them. And this was an incredibly moving moment, more moving than anything in the film, in fact. The cornerstone of Truffaut's political outlook was an unfashionable belief in the value of Western civilization. This belief was at the heart of an extraordinary film called The Wild Child, which he began shooting in July 1969, and which was to become his greatest critical success since Jules et Jim 7 years before. Based on an actual incident from the 18th century, the film tells the story of Victor, a young boy living wild in the woods who is brought to Paris to be educated by Dr. Itard, played by Truffaut himself. C'est bien, Victor. C'est bien. C'est toi, Victor. Oui, c'est pareil. Victor. Mais c'est toi, Victor. C'est toi, Victor. Tu comprends? The Wild Child was a landmark in that it's the first film in which Truffaut appears to an extent in a major role. Qu'est-ce que c'est que ça, Victor? Tu te moques de moi? Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? He probably was right to have taken that role, because probably nobody else could have done it in the way that he did, both to play the part itself and to get that performance from the child. C'est mieux avec ce bras-là, ou c'est mieux ça, hein? Oui, on mort, bien, hein? Mais il fallait aller vers là. Je ne sais pas si j'ai eu raison ou non de jouer, vous voyez, je ne sais pas si je suis un bon acteur ou un mauvais acteur, mais je ne regrette pas ma décision, parce que je sens que ce film-là, L'Enfant Sauvage, si j'avais confié le rôle de Dr. Itard à un comédien, je n'aurais eu qu'un travail technique. J'aurais dit toute la journée à un monsieur, maintenant, prenez l'enfant, faites-lui faire ça, emmenez-le là, emmenez-le là. Et ça, j'avais envie de le faire moi-même. Allez, viens, Victor. Ne pleure plus, Victor. Ne pleure plus. Tu sais le faire. Some critics found the whole notion of trying to civilize Victor morally questionable. But many more were seduced by the sheer power of the story. Allez, tu peux le faire. Bien. Not for the first time, Truffaut had demonstrated his ability to create great cinema from apparently unpromising material. By the time the film was released at the end of the 60s, Truffaut had been divorced for several years, and had made something of a name for himself as a lover of beautiful women. Ce qu'il y a de formidable dans François et qui l'explique entièrement, c'est que c'était un coureur de filles absolument insensé. Enfin, insensé. Je pense que c'est une espèce de formidable douceur qu'il pouvait avoir, à la fois dans la voix, dans les gestes et tout ça. C'était le contraire d'un type brusque. Et puis, je suis suppose que quand ce charme s'adressait aux femmes, les femmes sentaient qu'il les adorait, quoi. C'était sa véritable obsession. Comme certains animaux, les femmes pratiquent l'hibernation. Pendant 4 mois, elles disparaissent, on ne les voit pas. Au premier rayon de soleil du mois de mars, comme si elles s'étaient donné le mot, ou comme si elles avaient reçu un ordre de mobilisation, elles surgissent par dizaines dans les rues, en robe légère et talons hauts. Une belle jambe, c'est très beau, mais je ne suis pas ennemi des chevilles épaisses. Je peux même dire qu'elles m'attirent, car elles sont la promesse d'un évasement plus harmonieux en remontant le long de la jambe. Il fallait que les femmes se succèdent. Ils se disaient, zut, si j'ai celle-là, j'aurais pas celle-là, et puis cette course comme ça. Il recherchait toujours la même image, une image parfaite hein, de la femme, une seule, mais voilà, qui n'aurait jamais trompé, et dont il voilà, qui l'aurait aimé éternellement et qui l'aurait aimé éternellement. Truffaut's most intense relationship was with Catherine Deneuve. They fell in love while shooting a film called Mississippi Mermaid, and were almost inseparable for 3 years. When they finally split up in 1971.
Truffaut suffered a nervous breakdown which was serious enough to require medical treatment. As he had done before and would do again, Truffaut overcame his depression by calling on the support of his family. Neither he nor his ex-wife Madeleine ever remarried, and the family seemed to function almost as though their divorce had never taken place. He was a man of rituals, and for him, Sundays were the family days, and that went on. I wouldn't say it went on no matter what happened in his private life, besides, but almost. Le samedi, on sortait de l'école, on allait chez mon père, on allait voir des films, etc. Et le dimanche, il nous ramenait à la maison chez ma mère, il restait toujours dîner, il regardait toujours ensemble les informations à la télévisée, il commentait toujours les débats politiques tous les dimanches. Ça a duré pendant 23 ans, comme ça. J'avais un rapport avec mon père qui n'était pas tellement de fille à père avec du respect, du tout même, vraiment pas beaucoup de respect, mais plutôt de complicité. Et puis encore aujourd'hui, je crois que oui, je n'ai jamais eu une telle complicité qu'avec lui. L'impression d'être à ce point facilement comprise et si peu jugée, critiquée oui, mais pas jugée, voilà. Truffaut also benefited from the loyalty and support of another group of people, the gradually evolving team of writers, actors and technicians who came together year after year to help make his films. Film editor Claudine Boucher was one of his longest-serving collaborators. She adored Truffaut and learnt a great deal from working with him. And yet, like many of her colleagues, she found him a demanding and possessive employer. Il fallait ne pas transgresser certains principes qu'il avait, sinon on était banni, en tout cas quelquefois même à tort, parce qu'il s'imaginait qu'on avait parlé de quelque chose avec quelqu'un d'autre, c'était pas vrai. Alors on recevait une lettre d'excuse, excusez-moi, je vous ai cru capable de... Bon. Et puis on s'était même pas aperçu qu'il était fâché. Moi, quand je travaillais pas avec lui, il était même un peu jaloux comme ça. Alors, avec qui vous allez travailler, Lamartine? Ah, Robert Hossein, ah oui, 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 oui. Ah, Philippe Galland, ah, le macho là, au biscotto. Il avait toujours une phrase un petit peu acide comme ça pour bien nous faire sentir aussi que bon, ben voilà, qu'on osait lui faire des infidélités. In the course of the 1970s, Truffaut and his team produced on average one picture a year, the most celebrated of which was undoubtedly the Oscar-winning Day for Night. Named after a cameraman's trick which enables night scenes to be shot in daylight, Day for Night is a film about making a film. Its large cast included Truffaut himself as the film's director, Ferrand, and Nathalie Baye making her screen debut in the role of a script girl called Joëlle. Bon, alors on reprend la cuisine, hein, et on supprime alors tout le côté honteux, mauvaise conscience des personnages. Ils savent très bien ce qu'ils font, ils sont conscients, ils acceptent cette idée qu'ils vont quitter la maison comme des voleurs. Du reste, Pamela pourrait dire ça dans le dialogue, partons comme des voleurs. Je crois que dans cette scène, il faut absolument montrer la lucidité de Pamela. Il y avait toujours quelque chose d'assez étrange dans ce film, parce qu'on savait vraiment... Il y avait le film, mais aussi le film qu'on tournait. Donc il y avait une espèce de mélange, un truc parfois. Moi qui jouais une technicienne dans le film, j'avais l'impression de ne pas être une actrice. J'avais l'impression que les vrais acteurs, c'était ceux qui jouaient les acteurs. L'appeliez demain au studio de la Victorine. Et ce que je trouve très beau dans ce film, c'est que c'est un film qui raconte un tournage de cinéma sans du tout démystifier. Ça reste toujours très mystérieux et en même temps, on a du plaisir à découvrir un peu ce qui se passe derrière la caméra. There was one scene in Day for Night which is not merely precious, it is priceless. A British insurance broker comes to the studio in Nice to go over the finances of this film which is about to collapse because of the death of the star. Eh bien, il faut terminer ce film. Tout dépend des assurances anglaises. Qu'est-ce que dit Monsieur Johnson? This actor, it's called on the credits, Henry Graham. That is, in fact, Graham Greene. You can't redo the scene with Alexandre with another actor. I'm sorry, you'll have to sign another solution. Greene had heard that they wanted somebody for a walk-on part who looked like an English businessman. So he got a friend of his to introduce him to Truffaut at a party as Henry Graham, retired English
businessman living on the south of France. Truffaut said, it looked exactly like what I want. They gave him these lines. As they were shooting the film, Truffaut suddenly said, don't I know, don't I recognize you? And Groot Green said, no, we've never met before. Haven't I seen your picture before? No. And suddenly, Truffaut exploded and said, you're Graham Greene. And apparently then roared with laughter. It's a great moment of cinema. Premiered at the Cannes Film Festival in 1973, Day for Night was an instant success, but not everyone approved. One person who didn't was film director Jean-Luc Godard, an old friend of Truffaut's, who now saw himself as a Marxist revolutionary. Godard dit à Truffaut, si tu fais un film aussi autobiographique, etc., pourquoi est-ce qu'on ne voit pas le metteur en scène embrasser l'actrice principale? Pourquoi est-ce que ces choses-là qui existent, n'est-ce pas, François, dans ta vie, ne sont pas dans tes films? Et là, Truffaut, à la fois, est touché, parce que Godard a ce sens de toujours toucher juste les gens, et en même temps, a un certain nombre d'exemples de la mauvaise foi incarnée de Godard à lui renvoyer. Jean-Luc, I feel the time has come to tell you at length that in my opinion you've been acting like a shit. I've always had the impression that real militants are like cleaning women, doing a thankless but necessary job. But you're the Ursula Andress of militancy. You make a brief appearance, just enough time for the cameras to flash. You make two or three duly startling remarks and then you disappear again, trailing clouds of self-serving mystery. You agree to go to Geneva or London or Milan and you don't go, to startle people, to astonish them, like Sinatra, like Brando. You're nothing but a piece of shit on a pedestal. Truffaut's split with Godard was final. The two men, who had both been at the forefront of the 1950s new wave, never spoke again. Towards the end of the 1970s, Truffaut agreed to appear as scientist Claude Lacombe in Steven Spielberg's epic film Close Encounters of the Third Kind. Although some questioned whether he was really a good enough actor to take a major part in an international movie, Spielberg himself had no doubt about Truffaut's suitability for the role. Let's go. There was something about Truffaut from The Wild Child, yeah, and from, you know, La Nuit Americaine that just had a... He was a man-child. He was ingenuous and wise, and he was both a father figure and just a very wild-eyed young... He has a very young outlook on life. I don't think there's a false moment in his part. He's never stagey or too open. He's never aware of the camera. At the same time, he's slightly guarded. Viejo, dígame. Sunburn? Et il m'avait dit, après son expérience sur le film de Spielberg, qu'il comprenait encore mieux les acteurs et qu'il s'apercevait combien c'était parfois difficile d'attendre, ce qu'on attend très longtemps au cinéma. Ça lui avait fait beaucoup de bien et il m'avait dit que tous les metteurs en scène devraient faire cette expérience de jouer à un moment dans les films des autres pour voir ce que c'est. Truffaut was to make only one further appearance as an actor, starring alongside Natalie Bye in The Green Room, a dark and touching tale about death and remembrance based on a story by Henry James. Vous me rencontrerez plus souvent ici même. Je crois que je n'aime plus les cimetières. Ce sont des prisons froides. On y enferme les morts comme pour se débarrasser d'eux sous la terre glacée. Non, je ne trouve pas. Ils sont partout chez eux sous la terre. Vous savez que les Chinois se sont longtemps opposés à la construction des chemins de fer. Ils ne pouvaient supporter qu'on bouleverse la terre des morts. Je crois que si tant de gens les honoraient de cette façon, c'est qu'ils les craignaient. Mais nous, nous les aimons. N'est-ce pas? Truffaut, avant de commencer La Chambre verte, avait très très peur. Il était très inquiet de faire ce film. Et comme nous étions assez complices et qu'on avait déjà joué ensemble, je pense que ça le rassurait de tourner ce film avec moi. Mais il avait des moments d'inquiétude terribles. Il me disait, je suis fou de faire ce film-là, il ne faut pas le faire. Et je lui disais, mais non, c'est formidable, c'est quelque chose de magnifique. J'ai retrouvé ta bague, Julie. Je voulais te la rendre aujourd'hui.
sans attendre ton anniversaire. The film concerns Julien Davennes, an obituary writer on a small French newspaper just after the First World War, who becomes obsessed with the memory of his dead wife. For many of Truffaut's admirers, it has a deep poignancy which goes beyond the inherent sadness of the story itself. Je ne t'ai pas oublié, Julie. Je ne t'oublie pas malgré les années. C'est même tout le contraire. Je pense à toi de plus en plus. Cette nuit qui commence, nous allons la passer ensemble. It was a very uningratiating film for a director, any director to make. It was a film that really was going to have a very difficult commercial career. But for a director like Truffaut, it was a sort of total paradox and contradiction of everything that he seemed to represent. But it was obvious he was a man who'd never been as healthy as people thought he was. He had a heart problem. He certainly had a breathing problem, and you know he did die young. And this was one of his last films. Now you know it's very easy to read all sorts of things into these perhaps coincidences, but nevertheless, to see that film as I did again just after his death, you somewhere there was a personal investment that suggested it was more than just another film for him. C'est quand même le souvenir le plus bouleversant qu'on ait de lui.